Les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Ça y est, c'est la reprise. Alors, mesdames et messieurs, on est au mois de janvier, on est le mois le plus long de l'année. Vous allez voir, on dirait que c'est 3 mois ce mois-là. Il y a la CAN qui va commencer, la Coupe d'Afrique des Nations, et notre plus grande honte, elle va commencer aussi. Alors, bien sûr, je sais que ça va pas faire plaisir à tous les gens, j'en ai rien à foutre, parce qu'ils se reconnaissent. Tu sais, les gens, quand ils se reconnaissent, ah, oh, pourquoi tu parles de nous? Arrête de parler de nous. Oh, lui, il est trop sur nous. Tous les Maghrébins qui vont sortir des drapeaux pendant la CAN, vous êtes les plus grands traîtres que le Maghreb ait fait. C'est vous qui faites monter l'anti-maghrébinisme en France, suivi par l'anti-islam de France. C'est vous les agents du RN, les agents du Mossad, c'est vous, parce que vous êtes des clochards, tout simplement. Moi, j'ai une question à poser. Imagine-toi, il y a des Français au bled. Ils sortent le drapeau pendant le championnat d'Europe, ils se baladent en pleine rue comme ça. Vous allez faire quoi? Dites-moi, vous allez faire quoi? Donc, non seulement vous allez sortir nos drapeaux, mais vous allez vous battre contre les flics en tirant des pierres, en disant « Allahu Akbar! » Ouais! On vous connaît, bande de cafards. Donc, c'est simple. Moi, dans ce pays, je pense que la France est trop gentille. Il faudrait interdire les drapeaux qui ne sont pas français, je l'ai dit à plusieurs reprises. Et là, je suis pas là pour faire le jeu du RN, parce que le jeu du RN, c'est vous qui le faites, c'est pas moi. S'il y aurait que des Maghrébins comme moi, le Rassemblement National n'existerait pas. C'est le Rassemblement National dont vous avez peur là. Vous avez peur et je sais pas pourquoi. Ouais, ils vont passer, ils vont passer, ils vont faire quoi? Tellement que vous êtes des abrutis, vous connaissez pas les lois de chez vous? De chez vous, enfin, on sait pas, hein? Ouais, parce que quand il y a eu la loi immigration, c'est quoi toutes ces victimes qui étaient fiers d'être Maghrébins et d'un seul coup? Ouais, de toute façon, cette loi, elle s'appliquera jamais. Hi-hi-hi. Ben, je sais pas. Il y a une loi qui te permet de rentrer. On n'est pas des Maghrébins, on n'est pas nationalistes. On n'est pas fiers d'être Maghrébins. Alors, quand on est au pied du mur, tu te rappelles que t'es français? Trou du cul, va. Wallah, vous faites pitié. Ouais, je parle de ça parce que, wallah, il n'y a que les Maghrébins qui se sont insurgés sur cette loi. Vous vous êtes reconnus? Je comprends pas. Je comprends pas. La tête de ma mère, j'ai même vu des commentaires où il y avait des gens qui crachaient sur la France toute l'année. Et là, tu les vois, ouais, ils le feront jamais. De toute façon, moi, ils me jetteront jamais. Bah, je sais pas, apparemment, tu suces ou tu. Ah, vous aimez pas ça, vous aimez pas. Ouais, le mec, il affiche trop notre communauté. Le mec, bah ouais, pour que des gens comme nous vivent tranquilles. Donc, s'il faudra vous piétiner, je vous insulterai tous les jours. Tout simplement. Donc voilà, mesdames et messieurs, on a vu hier hein, des drapeaux à la patinoire. Depuis quand les hommes, ils vont à la patinoire? Ouais, mais c'est des jeunes, Bassem, laisse-les, oh, tu fais crari. Depuis quand des tahans vont à la patinoire? Vous êtes des hommes, les frères, vous allez à la patinoire, vous? Moi, non, je sais pas. Bon, bref. Tout simplement, encore une fois, il va y avoir cette réchauffement international, bien sûr. Tu verras, il y aura que nos drapeaux maghrébins qui seront dans les rues, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut sévir avec ça. Il faut sévir parce que l'heure est grave. Parce que nous, Maghrébins, nous demandons à la France de sévir. Pourquoi? Parce que c'est nous qui allons payer tout ça encore une autre fois. Et on va être stigmatisé. Et on va être pointé du doigt. Après, il va avoir des embrouilles avec les flics. Après, tu vas avoir. Bah, viens, lâche mon frère! Marche blanc, c'est la malicume! Inch'Allah, j'ai envie de vous dire, les vrais Maghrébins comprendront ce que je veux dire. Il n'y a que les cafards, que les traîtres. Ceux qui sont jamais allés au Maghreb qui vont dire, hey, mais de quoi il parle, lui? Qu'est-ce qu'il dit, lui?